C'est parti pour cette 24e journée de l'Ikimoli Star League. Le poteau, ça va être pas le deuxième ballon. Juste au-dessus, le Chabala, énorme. Scoubé qui vient gratter en 1-5, là, la petite défense. Bien lâché dans le dos, ça arrive jusqu'à l'aile. Et oh, le petit Chabala pour passer au-dessus de Charles Bolzinger. Oui, ça c'est bien joué, la passe dans le dos, derrière, c'est magnifique. Et toujours au-dessus hein, de Michael Robin qui a tendance à s'affaisser. La voilà, la balle de plus 3 pour les Béliers. Kylian Rigaud bien fait pour Valentin Hamann qui ne laisse pas passer l'occasion. C'est du caviar. Makeda, il faut se baisser sur les appuis. Audrey Ossola dans cette situation de contre-attaque. Et les Nantais qui passent devant. Et on a mis un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de percussion là dans le jeu provençal. Et ça paye! Ça paye même très bien avec ce superbe but. En faveur des Célestadiens, oh, Théo Egerman tout seul. La petite roucoulette, la régalade de Théo Egerman face à Charles Bolzinger. Il y a un tournoi qui est organisé ici, c'est la semaine prochaine. Ça c'est sublime de la part de Gabriel Niembo. Ouais, ce sera demain. Hein. Le petit ballon pour Thomas Moreira, ça c'est bien fait, le petit lob pour passer par-dessus Todor Jandrić. Il reste un temps mort éventuellement pour Raúl González. Et il sera posé là, vraisemblablement. Oh, magnifique. La roucoulette. Oh, ce shoot de loin, c'est superbe. Henry Colson pour le 18 partout. Le bras est levé et le shoot à la hanche. Magnifique pour le 13e but Célestadien. En seconde période, on peut imaginer... Oh là là, revue. C'était Matrix au ralenti dans la peau de Keanu Reeves, Ludwig Apollinaire, hop. Oh, le caviar pour Tomislav Koussan. Vinatier, la tentative et l'arrêt de Rémi Desbonnets. La relance façon quarterback, magnifique. Et la roucoulette, it's showtime au FDI Stadium. Le ballon volé avec le jeu à deux pour égaliser pour Gabriel Niembo. Tout est à refaire pour l'USAM, égalisation à 15 partout. Emric Mine, il est reparti. Et il n'y a pas de marché malgré la demande de Chema Marquez. Julien Boss pour le 23e but du MHB. Allez, petit 1, 2, 3, 4. Ah, magnifique. Cette petite, ce petit shoot lobé avec le numéro 7, Iñaki Pichina. Regardez, hop. Qui prend de la vitesse, la feinte de tir par-dessous. Oh, super, avant de temps. Remarquable, là, le numéro. Poursuivi par Antebabic. Encombré deux fois, le petit tir à la hanche. Ouais, avec une fausse impression de puissance. Il a ramené presque tranquillement, mais pas. Le petit depuis quelques temps. C'est Pérez, la passe est magnifique. Et l'arrêt splendide pour Victor Algrimson. Ouh, c'est pas mal fait ça. Il était dans un angle impossible. Le jeune Naël Tijuart. Et il a eu cette vista de trouver un partenaire. Niembo, c'est quand même quelque chose. Oh, la puissance de Pantochinelle. C'est du Quentin Minel version Chambéry. Oui. C'est pas bien embarqué cette affaire. Chema Marquez, il est reparti. Oh, il a échappé à tout le monde et la parade exceptionnelle de Victor Algrimson. Filmino avec Diego Simonet, la feinte magnifique, tout est beau. Jusqu'à la finition, la feinte, la vivacité, la précision, monsieur Diego Simonet. Eh oui. Pour ne citer que, et Fernand Bihan faisait partie également de cette génération. Allez. Un dernier pour la route avec le Sanago, ça on en est sûr. Simonet tout seul, ça décale bien jusqu'à l'aile. Et la lucarne pour finir en beauté pour le 34e but Montpellier. Il est 21h28. Montpellier est à nouveau en tête du championnat de cette Ikimoli Star League après cette victoire, large victoire face au dernier du championnat. Voilà, comme une évidence. Ça, on le savait, hein, on ne va pas vous le dire autrement.
et la victoire 32-28 de l'USAP, la victoire du H qui s'impose 33-29 face à une équipe de Saint-Raphaël qui sera restée dans le match allez, pendant 55 minutes quasiment avant de craquer un petit peu physiquement. Sincèrement, je pense que ce soir on peut être satisfait parce que si on garde ce contenu, cet état d'esprit, on va en gagner des matchs. Ce soir ça a été un peu compliqué, mais bon, on va retenir la victoire, on va dire. Merci beaucoup, on va peut-être vous retrouver sur la base arrière aussi tant qu'on y est, pourquoi pas. On pourrait, mais ça risque d'être dangereux pour la continuité.